Alors, nous sommes en direct à l'hôtel Le Perra, 17 rue Comartin, Paris 9e. Nous sommes en présence d'un très très grand chanteur, monsieur Michael Jones. Michael, bonsoir. Salut David, comment tu vas ? Ça va très bien, on est très très content de t'accueillir. Alors, tu es venu de Lyon, on est venu te chercher tout à l'heure à la gare de Lyon. Tu viens pour les 20 ans de l'association Cité-Star. On est très honoré de t'avoir parmi nous parce que l'association existe depuis 20 ans. Il y a énormément de personnalités qui sont là depuis 20 ans, comme Gwendal, qui sont membres d'honneur, tout. Et toi, c'est la première fois que tu viens à Cité-Star. Qu'est-ce que ça te fait de venir à l'association à Cité-Star pour les 20 ans qui œuvre pour les enfants battus et défavorisés ? Ben, pour moi, c'était logique de venir, c'est-à-dire que j'ai moi-même une association qui s'occupe des enfants qui ont le cancer. Et donc, aller vers les autres associations qui s'occupent des enfants, et là, surtout les enfants battus ou défavorisés, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se serre les coudes, il faut être présent. Alors, sachant que nous, l'association, on a aussi une section où on s'occupe aussi des enfants atteints de malformations cardiaques et respiratoires, et aussi une section sur la pédocriminalité, sur les enfants qui sont atteints d'inceste, de maltraitance et de pédophilie. Donc, on a quand même plusieurs choses, même si la base principale et le socle de l'association depuis 1998, c'est les enfants les plus défavorisés, les enfants maltraités et défavorisés de France. Donc, aujourd'hui, on est très content de t'accueillir. Alors, Michael, demain, tu vas être à la soirée, tu vas bien sûr nous faire l'honneur de chanter et de clôturer cette soirée en Get Star. C'est toi qui clôtures en Get Star. Ah, donc en fait, je peux faire ce que je veux, ils auront tous bu. Faire je sais pas ce que tu peux. Il y a un programme qui est quand même établi à la télé, mais après, on peut improviser, il n'y a pas de souci. Non, mais je suis honoré, franchement, très honoré de pouvoir clôturer cette soirée. Et donc, on va essayer de la faire en faisant la fête, quoi. Oui, ça va être une grande fête. En plus, Oscar Sisto qui s'occupe de toutes les personnalités. Oscar, on a bien détaillé avec lui. Il a dit Michael Jones, il termine, parce que tu es quand même un grand chanteur. Donc, toi, qu'est-ce que ça te fait d'être là aujourd'hui, de venir deux jours, passer un week-end pour l'association, pour les enfants? Ça te fait plaisir d'être avec nous, avec toutes les personnalités? C'est aussi une grande famille, Cité-Star. On réunit plein de personnalités qu'on n'a pas vues depuis longtemps. C'est convivial. On est très content de t'accueillir. Et toi, est-ce que vraiment tu es content d'être avec nous pour ce week-end magique, pour ces 20 ans? Bah évidemment, je suis content, ça se voit pas, non ? Si, si. Si. Non, mais honnêtement, on n'a pas de mérite. C'est que nous, les artistes, on peut être présents pour des œuvres caritatives qui sont très importantes, et on n'a pas de mérite parce qu'on prend du plaisir. C'est-à-dire qu'on va faire de la musique, c'est ce qu'on aime faire. Donc, c'est comme les enfoirés. Je vois, il n'y a pas de mérite, on est là parce qu'on peut et parce que ça apporte du bonheur aux gens. C'est ça qui est important. Alors, une autre question, Michael. Demain, tu vas chanter dans un grand hôtel, l'hôtel intercontinental, le Grand Hôtel Palace. Il y a 300 personnes qui vont être là, c'est en direct à la télé. Tu vas bien sûr clôturer, comment dire, cette soirée magique. Il y aura un défilé de mode aussi, il y aura la deuxième édition de l'élection Miss Beauté Nationale. Toutes les candidates arrivent dans une demi-heure, elles vont être à côté dans l'autre hôtel, vous pourrez venir les voir, les saluer. Ça vous fait plaisir aussi de voir dans ce spectacle, il y aura des humoristes, des chanteurs, des magiciens, et aussi un défilé de mode parce qu'il fallait aussi mettre un peu de touche féminine. Alors, la touche féminine est toujours très importante, c'est pour ça que je voyage toujours avec ma touche féminine à moi. Avec votre touche féminine à vous, on l'a vu, elle est là, Madame Marion Jones, on est là. Alors une question en dehors de l'association, quelle est votre actualité aujourd'hui, Michael? Qu'est-ce que vous faites en dehors de chanteur? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce qu'on va vous voir quelque part? Vous allez faire l'Olympia, Bercy? Dites-nous un petit peu ce que vous allez faire là dans les jours qui vont venir, dans les semaines qui vont venir. Alors là, je suis en fin de tournée. J'étais en concert hier soir avec Gwendal. Parce que Gwendal, maintenant, il a arrêté le patinage. Non, il n'a pas vraiment arrêté, mais il fait surtout de la musique maintenant. Il chante bien, Gwendal, honnêtement? Ah oui, oui, c'est un vrai musicien. Oui, oui. Son groupe progresse de jour en jour. C'est super. Et donc là, je continue à tourner jusqu'à la fin du mois de novembre. Après, j'arrête et je ne fais plus rien jusqu'aux Enfoirés. Parce que là, je viens de faire 80 concerts, donc à mon âge, il faut savoir prendre le temps pour se reposer un peu. Donc là, pour toutes les fêtes, j'arrête. Et je reprendrai le 23 janvier à Bordeaux avec les Enfoirés. Ok, bah Michael, on te remercie. D'abord, on se reverra demain avec les reporters du net, bien sûr, parce qu'il y aura d'autres photos, d'autres interviews lors de la soirée. En tout cas, on est très content de t'accueillir. Moi, je vais te poser une petite question.
Elle n'est pas piège, mais il va falloir y répondre, c'est oui ou c'est non. Et comme c'est en direct à la télé, après tu pourras plus, comment dire, ne pas l'assumer. On serait très heureux, parce qu'on a beaucoup de membres d'honneur, mais on serait très heureux de t'avoir aujourd'hui comme membre d'honneur. Est-ce que tu acceptes, à partir d'aujourd'hui, d'être membre d'honneur de l'association parmi les autres membres d'honneur de l'association ? Évidemment, j'accepte d'être membre d'honneur de cette fabuleuse association. On te remercie Michael, c'est très gentil à toi et on est, c'est un scoop, voilà, Michael Jones est nouveau membre d'honneur de l'association aujourd'hui. Merci beaucoup Michael et on se dit à demain. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci à vous, au revoir. Super.